On est parti. Bonsoir à tous et donc bienvenue pour ce troisième live de Vers de Terre Production. Donc ce soir la thématique comme c'est annoncé donc c'est une soirée dédiée aux porteurs de projets puisque on le sait bien en fait en MSV on a quand même beaucoup peut-être surtout des porteurs de projets. Donc pour porteurs de projets en maraîchage sol vivant. Donc on a un petit changement d'équipage ce soir. Normalement, Daniel devait être avec nous, Vincent aussi, Sébastien, et il y a des rendez-vous, des problèmes familiaux, etc. Donc on est tous les trois ce soir. Je vous laisse vous présenter, puisque tout le monde ne vous connaît pas Bonsoir à toutes, encore. bonsoir à tous. Donc tu Pierre-Xavier. regardes dans la caméra là. Voilà, Pierre-Xavier, Broas. Je suis installé à 20 km d'ici, en maraîchage sol vivant. Alors d'abord en permaculture pendant 4-5 ans. Et là, je fais une grosse conversion sous les conseils de François. J'ai lancé l'Armageddon sur 1 hectare il y a un mois et demi, en fait, début de décembre. Donc l'Armageddon, c'est 300 tonnes de matière organique, en fait 330 tonnes de matière organique sur 9000 mètres carrés. Voilà, un peu bourrin, mais ça va rentrer, ça va y aller. Donc, ce sera une belle expérience à suivre au cours de l'année à venir. Voilà, donc on va parler de ça ce soir, entre ma transition pour moi, pour ma part, entre la permaculture, donc sur un petit terrain de 3000 mètres carrés, à maintenant 10 000 mètres carrés sur le grand terrain. Ok, maintenant Morgane, la star incontestée du maraîchage sol vivant. Donc, Morgane Fournier, première et dernière salariée de maraîchage sol vivant. Et j'ai quitté ma chasse de vivant pour m'installer donc dans l'Orne à 60 km d'ici. Sachant qu'ici on est dans le sud de l'Eure, à Breteuil-sur-Iton. Voilà, et que chez moi c'est assez, ce que tout le monde connaît. Et donc installée en maraîchage sol vivant sur une terre anciennement conventionnelle travaillée chez un éleveur de volailles. Alors ce soir à la technique, donc on a Martin et Pauline au cadrage caméra. Alors on va démarrer avec une seule caméra parce qu'on a de la buée dans une. C'est pour ça qu'on a un peu de retard. C'était un peu le stress avant le démarrage. Il y a Dylan à la régie et Sibyl sur les réseaux sociaux. Donc je vais vous expliquer vite fait le déroulé de la soirée. Mais toujours est-il que vous pouvez poser des questions. Donc on est sur. J'ai dit la chaîne YouTube de Maraîchage Sol Vivant, la chaîne YouTube de Vers de Terre Production et le Facebook de Vers de Terre Production et le Facebook de MSV, je sais pas. Oui, non. Personne ne sait. C'est pas grave. Donc vous pouvez poser des questions sur les canaux de discussion et on essaiera de prendre au fur et à mesure de la soirée des questions. Et si vous voulez rebondir à chaud, n'hésitez pas surtout. Donc le déroulé de la soirée, on va commencer par présenter des ressources, toutes les ressources écrites, toutes les données possibles que vous pouvez trouver si vous êtes porteur de projet pour essayer de vous installer en maraîchage sol vivant. On va démarrer par ça. Et ensuite, donc ce soir, on a deux personnes qu'on va avoir au téléphone. Donc il y a une personne de Mayotte et une personne de Bretagne. Et donc ils vont nous expliquer leur situation et puis on va essayer d'amener des éléments d'information. Et au passage, vous vous présenterez vos installations, on en discutera. Et donc on va essayer tout au long de la soirée de vous donner, je dirais, toutes les bonnes clés pour pas faire trop d'âneries et avoir une chance d'être encore en vie 5 ans plus tard après votre installation. On est bon? Allez, donc je vais commencer par vous présenter quelques bouquins. C'est une idée qu'on a eue dans les différents lives, on va présenter des livres. Donc je vais vous en présenter un. Alors, pour le coup, c'est pas un bouquin qui est vraiment dédié aux porteurs de projets. C'est Les Lombriciens de France, écologie et systématique de Marcel Boucher. Donc c'est une véritable relique. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été voir Marcel il y a quelques temps. Martin est descendu à Montpellier le voir. Et on a récupéré, c'est combien, Martin? 350 publications? C'est ça. 350 publications et ses ouvrages. Il nous en a donné plusieurs exemplaires de celui-là. Et donc celui-là, on va le sacrifier. Et on va le scanner, le mettre en ligne. Alors, pourquoi je le présente? En fait, c'est assez important. Si vous voulez vous installer en agriculture, il faut comprendre à un moment donné qu'il y a un état de l'art, il y a de la documentation, il y a des savoirs. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis 20 ans, on a commencé à utiliser Internet. Ça, malheureusement, ça n'est pas sur Internet. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, une grosse, grosse part des publications, que ce soit sur l'écologie des vers de terre ou un certain nombre d'autres sujets, sont encore en format papier, en train de traîner dans des bureaux. Et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et donc on a perdu quand même, en vérité, une quantité de savoir non négligeable dans ce passage au numérique.
Donc c'est pour ça qu'on a été rechercher les publications de Marcel Boucher, qu'on va essayer de les scanner, en tout cas les plus importantes, parce que 350, le scanner, il va souffrir un peu. Et on va essayer de mettre ça en ligne petit à petit. Il n'empêche que Marcel nous a gratifié d'un livre, d'ailleurs, que je n'ai pas pris. Des vers de terre et des hommes, de Marcel Boucher, que je vous invite quand même fortement à lire. On rediscutera un peu vers de terre, t'avais des questions ? Justement, moi, la chaîne s'appelle Vers de Terre Production, donc ça c'est quand même important, c'est quand même pas mal. Mais la notion, je pense que l'appréciation de la qualité du Vers de Terre et le travail unique qu'il est capable de faire, ça je crois que c'est vraiment recherché. Et en fait, Marcel Boucher, a déjà fait ces recherches-là, quoi, c'est bien ça. En avance. Et puis, une des références mondiales de ce point de vue-là. Bah, disons qu'en gros, c'est quand t'as vraiment compris ce que ça faisait un Vers de Terre, t'as vraiment compris comment il pouvait te dépatouiller. Juste pour info, on en parlait tout à l'heure, François est venu à la maison il y a 4 ans sur mon projet, il m'a dit la première question qu'il m'a posée, il m'a dit: est-ce que tu sais ce que ça mange un ver de terre? Bon, j'avoue que au début j'ai pris ça en me disant est-ce que j'en sais? J'en sais rien en fait, non, j'en sais rien. Et au bout de 4 ans, je me dis, en fait, cette question-là, elle était pas anodine, j'aurais peut-être dû m'y atteler, la prendre plus au sérieux et puis m'y mettre vraiment. Donc voilà. Donc voilà, Lombricien de France, écologie et systématique. C'est un peu dur à lire hein, comme livre de chevet, mais il y a quand même un certain nombre de choses tout à fait intéressantes. Mais attends, ils sont passés où les bouquins? Pourquoi ils mangent derrière? Ouais. Ah ben voilà, bon alors, cadrage c'est bon. Ben oui, parce que vous avez mis là ceux que je voulais présenter. Celui-là est très bien. Hop. On les remettra. Et puis il y avait celui-là évidemment. Désolé. Oh, ça sera coupé au montage. Donc je voulais vous présenter celui-là. Alors il y en a le volume 1 et le volume 2. C'est Les fondements d'une agriculture durable 1 et 2 de Carlos Crovetto. Alors pourquoi je voulais vous présenter ce livre? Il est assez ancien maintenant, puisqu'il a été édité en 2010, 2008, le crédit est de 2008, donc c'est un livre qui a plus de 10 ans maintenant. Je voulais vous présenter parce que Carlos Crovetto, c'est un des fondateurs de la notion d'agriculture de conservation. C'est un Chilien, Péruvien, Chilien. C'est un Chilien qui a inventé, découvert, mis en place quand même beaucoup de notions et beaucoup de concepts de l'agriculture de conservation. Et il avait écrit ces deux livres, Les fondements de l'agriculture durable 1 et 2. Et ça s'appelait déjà Nourrir le sol, un enjeu mondial. Ouais. Je pense qu'on... Voilà, bon. Salut. Allez, bonsoir. Nourrir le sol, un enjeu mondial. Et donc cette notion de nutrition du sol, en fait, elle est arrivée peut-être en France un petit peu tardivement. Mais elle est arrivée, entre autres, par Carlos Crovetto. Et petit détail intéressant quand même, c'est un livre dont la traduction avait été prise en charge par une société qui s'appelle Panam, et qui en fait est à la base producteur de semences. Donc pas grand chose à voir, mais c'est une entreprise qui est franco-chilienne. Donc ces gens-là ont vu ce qui se passait au Chili, notamment avec Carlos Crovetto. Ils ont décidé de traduire son livre. Et si je vous le présente, c'est quand même parce que c'est un livre donc, qui a été traduit en français en 2008. Je ne sais pas la première édition. Pouf, pouf, bon, peu importe. Si, 2004. En fait, il a été écrit en 2004 et il a été traduit en 2008. Et c'est un livre en fait qui a quand même marqué les esprits des agriculteurs français qui l'ont acheté. Et ça fait partie en fait des livres fondateurs de l'agriculture de conservation en France. Et bah, globalement, oui, je vous le dis, c'est quand même encore d'actualité. Ça vaut vraiment le coup de l'acquérir et d'y jeter un œil. Il y a quelques éléments dépassés, mais en même temps, ça vous met en perspective l'évolution technique, la réflexion de la pensée qu'il y a eu ces 10 dernières années. Un petit incontournable pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Ouais, celui-là, moi, je l'ai aussi au début, depuis le début. Donc, ça amène à la réflexion quand même. Il parle pas des vers de terre, des lombriciens aussi bien que Marcel Boucher, mais c'est une belle approche. Une belle approche. Mais ils le font régulièrement. Hein. Il me semble qu'en fait, il y a des éditions, des nouvelles. À la 6e édition ouais, c'est ça, de 2016. Alors donc, c'est le guide du nouveau jardinage de Dominique Seltner. Je vais me permettre de rappeler un peu qui est Dominique Seltner. Alors, il y a des gens qui nous écoutent peut-être qui vont trouver que c'est une hérésie d'essayer d'expliquer qui est Dominique Seltner, mais il y a probablement des gens qui, comment on dit, des non-issus du milieu agricole qui nous écoutent, qui ne savent peut-être pas qui est Dominique Seltner. Donc, Dominique Seltner, c'est un ingénieur agronome indépendant, donc a collaboré avec beaucoup d'instituts divers et variés, mais c'est quelqu'un qui est toujours resté indépendant dans sa carrière et qui a écrit des sommités, je ne sais même plus les noms, mais bon...
quand vous êtes en BPRA, c'est les pavés qu'on vous fait acheter et qu'on essaie de vous faire digérer. Donc il a écrit de son vivant vraiment des bouquins qui ont fait référence dans le monde de l'enseignement agricole, ce qui d'ailleurs des fois lui a attiré quelques problèmes parce qu'il n'était pas vraiment issu ni du monde des professeurs ni du monde des chercheurs, c'était un indépendant. Et ce qui est très intéressant avec Dominique Soldner, c'est qu'il a toujours écrit des trucs, je dirais juste, quand bien même il s'adaptait à son temps, c'est-à-dire qu'il donnait des conseils sur le labour, sur tous les outils de travail du sol. Enfin, dans ses livres, il y a des pages et des pages qui décrivent tous les socs de charrues possibles, des chômeurs et de machin. Mais il a toujours eu une vision, je dirais, la plus assez avant-gardiste de l'agronomie, de la matière organique notamment. Et qu'est-ce qu'il a fait à sa retraite? Et bah, moi, tu le connais bien. Moi autant je connais l'ouvrage, autant je connais pas Dominique Soldner. Voilà. Dans les moindres détails. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait à sa retraite? Et bah, il a dit oui, bon, mais en fait, le travail du sol et l'agronomie classique. Merci beaucoup. Donc mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Et donc, c'est quand même lui qui a été quand même réellement le premier en France à faire un livre à peu près conséquent, correct, assez complet. La première édition, je sais pas quand est-ce qu'elle est, mais elle doit être début 2000. C'est pareil. C'est ça. Temps, ouais. Donc on en a aussi en France, hein, quand je vois Marcel Boucher, c'est les années 70, 80. Oui. Donc on en a en France qui existent, par contre il faut les chercher, il faut les trouver. Et comme c'est en train de prendre, en fait, je pense qu'il y a une notion du fait que la vie des sols est en train de... la discussion est en train d'émerger dans le monde agricole, parce que le monde agricole est quand même un monde assez fermé, finalement. Et oui. Quand on n'en est pas issu, c'est un peu fermé. Bah, il est en train de s'ouvrir justement à des alternatives, et donc justement, il y a des appels d'air pour des nouvelles réflexions. C'est tout sur compost. Tout sur compost, donc il y a toutes les techniques de semis sur compost. C'est quoi le bon compost, etc., etc. Il a aussi écrit un autre livre que j'ai pas pris, qui est plus sur les grandes cultures. Et vous pouvez retrouver tous ces livres sur la collection Sciences et Techniques Agricoles, donc ça doit être soltner.fr ou quelque chose comme ça. Et il a aussi fait deux DVD avec Stéphane Aissaoui, que vous pouvez retrouver sur agrovideo.com. Voilà, donc guide du nouveau jardinage. Et je voulais vous présenter un autre livre. Bon, pareil, je suis désolé, c'est pas vraiment un livre pour les gens en vérité qui sont porteurs de projets. Ça s'appelle Guerre et paix dans le règne végétal. Guerre et paix dans le règne végétal, donc c'est un livre de Bernard Boulard aux éditions Ellipse. Bon, c'est totalement introuvable, hein, vous pouvez le trouver d'occasion ou quelque chose comme ça. C'est un livre de 1990. Et pourquoi je voulais vous présenter ce livre, alors, pour une raison assez personnelle, c'est que quand j'étais assez jeune, j'ai eu l'occasion d'assister à plusieurs conférences de Bernard Boulard. À l'époque, je ne m'intéressais pas particulièrement à l'agronomie, mais ma mère, oui, et à l'écologie, la biologie. Et ces conférences étaient restées pour moi un petit peu marquantes, parce que c'est quelqu'un qui nous parlait justement de tout ce qui se passait dans le sol et dans le vivant. Et j'imagine que si vous nous regardez ce soir, vous avez probablement vu qu'on a fait des vidéos sur YouTube avec quelqu'un qui s'appelle Marc-André Sellos. Et un beau jour, je me suis posé la question, mais de qui Marc-André Sellos est l'élève? Et le jour où je me suis posé cette question, dans la demi-seconde, je me suis dit, mais oui, évidemment, c'est Bernard Boulard. Je lui ai envoyé un mail, il m'a dit, bah oui, évidemment. Et pourquoi, évidemment, c'est Bernard Boulard qui est, le maître à penser de Marc-André Sellos? Tout simplement parce que c'est Bernard Boulard qui a passé à peu près 30 ans de sa vie à faire connaître la notion même de mycorhize, en fait. On était vraiment au balbutiement des recherches dans les années 70-80 sur cette thématique du rôle des champignons, de la microbiologie dans le sol. Alors Bernard, lui, a beaucoup plus été un descripteur, c'est-à-dire qu'il dessinait, il regardait, il observait. Il n'a pas été vraiment un expérimentateur pour essayer de comprendre les flux de carbone, les flux d'azote et je ne sais quoi. Donc il a beaucoup plus été un synthétiseur, un vulgarisateur, bon, de haut niveau. Hein. Et quelque part, je peux peut-être exagérer un peu, mais Guerre et paix dans le règne végétal, c'est un peu le premier livre, en fait, qui commence à parler dans les années 90 de toutes les symbioses dans le vivant, les interactions microbiologie du sol. Tout ce qui se voit pas, quoi. Tout ce qui se voit pas. Et c'est quand même ces gens-là qui ont commencé à nous faire comprendre, à nous autres agriculteurs, que peut-être nos super charrues de la mort pouvaient poser quelques petits problèmes aux mycorhizes. Ou générer des nouveaux problèmes auxquels on s'attendait pas, quoi. Voilà. Donc je voulais présenter ces trois livres, et je pense que pour aujourd'hui ça ira, on en présentera d'autres. Ouais, moi j'aimerais bien... Vas-y, je t'en prie. Sur les prairies. Ça c'est fait. J'aimerais bien présenter Les racines face cachées des arbres de Christophe Drenoux.
enfin qui a été coordonné par Christophe Drenou. Et c'est le premier livre que tu m'avais fait lire quand j'étais venue en stage chez toi. Donc je l'avais lu alors que j'étais encore en études. Et ce livre raconte, il y a des photos, donc c'est agréable à vivre, tout ce qui se passe sous la terre dans une forêt. Et bah, quand on se rend compte de tout ce qui se passe sous la terre dans une forêt, on se dit que bah, en fait, dans les champs, il doit se passer aussi plein de trucs sous la terre. Et d'une puissance dont on n'arrive même pas à s'imaginer, en fait. Et c'est ça qui, par ricochet, fait prendre conscience que, bah oui, si on passe à côté du sol, on passe à côté de la plus grosse partie de l'agronomie, en fait. Ouais, bien sûr. Donc, et puis il est sympa à lire, il est bien documenté, mais accessible. Donc, Bah, on y apprend des choses, oui, tout à fait intéressantes. Par exemple, qu'un chêne peut enfoncer ses racines à 140 mètres. Ça, même des bons blés, ça le fait pas. Ça. Voilà. Et que, bah, moi, c'est un chiffre qui m'avait choqué parce que tous nos raisonnements aujourd'hui de bilan humique, bilan azote, on les fait sur 30 cm. Ouais, quand on te dit le chêne, ça s'enfonce à 150 mètres, tu fais ouh, attends. Non, mais c'est qu'il se passe des choses qu'on, voilà, qu'on n'a pas. Et il aborde aussi, la racine de 150 mètres du chêne qui s'enfonce, ça illustre bien aussi la notion de pédogénèse. Ouais. Et ça nous amène à nous poser la question, nous en agriculture, la pédogénèse. Avec nos blés, nos salades, nos radis, il se passe quoi, quoi. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'un arbre, ça pousse tout seul. Il n'y a pas besoin d'amener d'azote. Il est auto-fertile. Redisons-le. Les feuilles qui tombent au sol réactivent chaque année la fertilité du sol. Donc, c'est l'une des bases du sol vivant. C'est un arbre, ça pousse tout seul. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Ok. Ouais, on passe la suite. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de dresser une liste exhaustive, au-delà des livres, de toutes les ressources que vous pouvez trouver aujourd'hui sur le maraîchage sol vivant, donc ont été produites par les différents réseaux. Morgane, je vais noter. La première qui est, on va dire, un puits de données, c'est les deux fascicules MSV. Donc le premier qui a été fait par maraîchage sol vivant, grâce à trois stagiaires qui ont parcouru la France, et le deuxième qui a été fait par maraîchage sol vivant Normandie. Grâce à Angélique, la super animatrice de Maraîchage sol vivant Normandie. Excuse-moi Morgane, je remercie une fois de plus tous les gens qui avaient participé à la campagne de crowdfunding qui nous avait permis de financer nos trois stagiaires. On a envoyé, je pense, 8 mois ou 9 mois après les cadeaux. J'espère que tout le monde les a reçus. S'il y en a un qui n'a pas eu son poster, il nous le dit parce qu'on a eu quelques retours de mauvaise livraison. Donc s'il vous manque le poster, on vous en renverra un avec plaisir. Et donc ce fascicule est un puits de données parce qu'il aborde aussi bien l'aspect économique, agronomique et technique d'une ferme, en comptant aussi la commercialisation. Donc en fait le but c'est, depuis son salon sur son canapé, réussir à faire un tour de France ou un tour de Normandie des différentes fermes. Et là, au sein de la région Normandie, ce qu'on essaie de faire, c'est de suivre ces fermes année par année. Donc le premier guide a été publié sur l'année 2016. Là, le prochain de l'année 2017 est paru ou va paraître sous peu. Et donc après, il y aura le guide 2018 qui paraîtra à peu près à moitié de l'année, quoi, une fois qu'on aura enregistré la compta. Donc voilà, donc ça c'est vraiment deux guides qui permettent aussi, en fait ça permet d'explorer les différents modèles possibles qu'il y a en maraîchage sol vivant. Le modèle petite surface, pas de mécanisation, le modèle moyenne surface, plus de mécanisation, avoir accès aussi à différents itinéraires techniques, différents types d'outils, et tout ça avec des photos, avec des chiffres. Donc, une mine d'idées, en fait. Oui, donc si vous les cherchez, vous tapez fascicule MSV dans Google et vous les trouverez assez facilement. Donc, je le redis, il y en a un qui a été fait par MSV Normandie et un autre par MSV National. Et en plus, il y a quelques conseils agronomiques, beaucoup, beaucoup de photos. Et on va améliorer ça encore dans les années qui viennent, je pense. Il y a encore des choses à améliorer. Donc voilà pour le premier outil. Le deuxième outil, c'est les Google Groups, qui étaient le premier outil qui a été mis en place au sein de Maraîchage sol vivant pour échanger, donc faire circuler l'information. Donc il y a un Google Group national où s'échangent vraiment énormément de sujets techniques. Là par exemple, il y a une discussion qui est en cours sur tous les itinéraires pommes de terre. Et à savoir, un Google Group, donc quand vous vous y inscrivez, vous recevez les mails, et si vous voulez consulter les conversations passées, il faut aller sur internet, googlegroup.com, il me semble, et là vous avez la liste des Google Groups auxquels vous êtes inscrit, et vous pouvez avoir l'historique de toutes les conversations passées. Parce que ce Google Group existe depuis 2012. 2012, oui. Donc bon. Le premier, le national. Il y a de l'info, quoi.
Et après, il y a des autres Google Group qui sont par région. Donc, il y a un Google Group Grand Est, un Google Group Grand Ouest et un Google Group Normandie-Île-de-France qui permettent là de plus échanger les informations sur les rencontres, les formations, les visites, les dons de fermes aussi ou les ventes de fermes, les propositions d'associations pour ceux qui cherchent des terres, vu que c'est le sujet aujourd'hui. Voilà. Les Facebook, les YouTube. Et oui, et après, donc il y a les Facebook, donc MSV, MSV Pro, avec chacun 5000 abonnés, pareil, où il y a des échanges de photos, d'infos. Le groupe MSV Normandie aussi. Les chaînes YouTube de Maraîchage Sol Vivant et de Vers de Terre Production. Sur ces deux chaînes YouTube-là, des visites de ferme à disposition, des formations. Et Vers de Terre Production a proposé tout un tas d'autres formats que je n'explique. Non, bah plein de vidéos. J'ai envoyé sur le sur les Google Group la semaine dernière une liste de toutes les vidéos. Parce que j'ai trouvé un petit logiciel qui me récupère le nom des vidéos, le lien, la durée, machin. Donc j'en ai fait une jolie liste. Quand j'ai fait défiler la liste, j'ai fait « Ah ouais, quand même ». Ah, on a bossé. J'allais dire sur les vidéos, déjà sur MSV, il y a un contenu, il y a des quantités de vidéos. Déjà, quand vous serez passé à travers tout ça, vous aurez compris ce que ça mange un ver de terre. Non, bah, je peux peut-être faire un petit point là-dessus. Tiens, c'est intéressant parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas du tout communiqué là-dessus. Actuellement, le compte YouTube MSV, on doit être à 250 vidéos au total. Ça doit totaliser 180 heures. Donc les premières... Tu l'avais créé en quelle année le compte YouTube 2016, je crois. Oui, je ne me souviens plus, mais. C'était en 2016. Et donc, on devait avoir 150 heures de vidéos au total. Et actuellement, on est à 1 800 000 vues de 13 minutes, quand même. Et donc, je le dis comme ça, c'est inscrit dans la légende, une bonne fois pour toutes. En fait, la première idée qu'on avait eue, qui nous était passée par la tête pour faire des vidéos, c'est qu'un jour, j'avais entendu Conrad Schreiber, mon cher ami Conrad Schreiber, qui passait sur France Inter. Et c'est une journaliste, je ne sais plus sur quelle émission, qui l'interroge et qui lui dit « Bon, bonjour, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes qui ?» Blabla. Conrad, il dit « Bah, je fais du développement et je suis surtout formateur. J'ai formé 5000 personnes depuis 15 ans. » Alors moi, jeune maraîcher, c'était il y a 10 ans cette histoire. Et je dis, quand même, le gars, il a formé 5000 personnes. Pas mal. Le petit problème que vous avez, c'est que si vous essayez d'imaginer l'objectif de Conrad comme le nôtre étant de développer le sol vivant, si vous formez 15 000 personnes, je vais y arriver à l'envers, non, oui, même 5 000, on s'en fout, 15 000, et que ça vous a... Non, c'est 15 ans, c'est ça, ça lui a pris 15 ans. On va y arriver, 15 ans, et que ça et que vous en avez formé 5000. Non, c'est dans l'autre sens, je vais pas y arriver. Si, c'est ça. Et que en fait, il y a combien de fermes? Il y en a 600 000, on va dire, je crois qu'il y a 600 000 actifs. Et ben en fait, vous tracez une courbe comme ça, et là, vous êtes arrivé en 2374, à peu près. C'est-à-dire qu'en écoutant Conrad expliquer qu'il avait fait tellement de formations qu'il avait dû former 5000 personnes, je trouvais ça incroyable. Je me disais comment il a fait, et puis tout compte fait, je me suis dit oui, mais en fait, on a quand même un gros problème. C'est que quand bien même on met tous les formateurs bout à bout, je pense à tous les formateurs de l'agriculture de conservation, les Frédéric Thomas, les Mathieu Archambault, les Sarah Singlat, excusez-moi à tous ceux que j'écoute. Auxquels je pense pas, mais si on les met tous bout à bout, en réalité, notre capacité à former est tout à fait insuffisante, alors qu'on a le contenu. Ouais, mais je pense qu'il y a aussi une notion de... C'est une courbe exponentielle plutôt qu'une courbe à 45. C'est plutôt une courbe où plus les gens en parlent, plus il y a d'expérience. Le monde agricole, c'est quand même un monde très concret, très tangible. Si tu parles de sol vivant juste par les mots et puis dire bah, le sol vivant, c'est vachement bien, l'agriculteur, il va dire ouais, mais comment je gagne ma vie, quoi. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir ces 5000 personnes. T'as oublié un zéro là-haut et un zéro en bas. Parce qu'on est à 500 et 60. Donc c'est 600 000 fermes. Quand on commence à avoir des résultats, et c'est vraiment la démarche dans laquelle on est aujourd'hui, la courbe va prendre, une plus grande... Enfin bon, peu importe, je suis parfaitement d'accord avec toi. Il y a un gros potentiel, c'est-à-dire que le potentiel est énorme. Les résultats, on n'est pas encore suffisamment nombreux. Aujourd'hui, on est quand même nombreux à vouloir être en maraîchage sol vivant. Les gens qui regardent, je pense, s'installeront
de fait dans le maraîchage sol vivant, parce que Monsanto et les pesticides en général, c'est pas vraiment la notion que je pense les consommateurs ont aujourd'hui. C'est vraiment d'essayer de revenir à du vivant sous le sol et au-dessus du sol. Et de réussir à trouver les bons tests et les bonnes exploitations qui arrivent à mettre ça en place. Et donc c'est là que s'est posée en fait la question, c'est qu'est-ce qu'on met en place comme outil pour changer d'échelle. Et donc c'est comme ça qu'on s'est dit, allez, faisons des vidéos, et format très simple, on filme les formations, on les met en ligne, on a commencé comme ça. On avait fait l'erreur d'être sur Dailymotion au début. La chaîne doit toujours exister d'ailleurs. Mais bon, on a tout mis sur YouTube. Et de fait, ça marche. Et donc là, au global, les deux chaînes YouTube, on doit être à 2 millions, 3, 4, je sais plus combien. Et on totalise 16, 17 000 abonnés. Ah si, il y a la vidéo où Conrad explique le cycle du carbone, le cycle de l'azote. Celle-là, je l'ai regardé deux fois. Moi, je l'ai regardé deux fois, donc peut-être que ça compte deux fois, je sais pas. Mais bon, on est peut-être nombreux à l'avoir regardé deux fois parce qu'il y a du contenu, elle est particulièrement intéressante. Voilà, les ressources. Et donc, on va continuer à faire des vidéos. Alors, dernière ressource dans ma tête à moi, mais peut-être qu'il y en a d'autres, c'est aussi tout ce qui est visite de ferme, organisation. Là, il y a le salon, les rencontres internationales du sol vivant. Nous, on va en faire une en Normandie. Enfin, c'est toutes ces occasions-là différentes de se rencontrer, de voir concrètement chez les autres comment ça se passe. Et c'est ça aussi qui... Oui. Réussir à parler de ça en tête à tête, quoi. Mm-hmm. Se lier avec les gens de son territoire, c'est aussi le but de l'asso. Et peut-être un chiffre intéressant quand même, vu que les premières formations que j'ai fait en Normandie, c'était l'hiver 2015, je pense, 2014-2015. Et avec l'association MSV Normandie, cette année, on a quand même 22 nouveaux porteurs de projets. Oui, non, mais c'est ça, c'est exponentiel entre 2015 et là. A priori, c'est quasiment 100% des dossiers, installations, ouais. Des installations qui sont en MSV. Il faudrait être fou de s'installer autrement. Il y en a qui ont essayé la permaculture. Ouais, c'est ça. Je vais dire, aujourd'hui, moi, je suis. Bon, c'est mon expérience. Après, chaque terrain est spécifique, etc. Dylan, on a un premier appel, non? On va partir là-dessus. Un premier appel? On regarde si ça marche. Ce soir, la technique, ça a l'air moins simple que les deux premières. La caméra, elle repart ou... Ouais, petit à petit. Donc, on va prendre quelqu'un en ligne qui, si j'ai bien compris, est à Mayotte. Alors, il va falloir écouter bien parce que je crois qu'il est loin. Oui. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonsoir. Bienvenue à ce live de Vers de Terre Production. Dylan, tu peux monter un peu le son, s'il te plaît ? Bonjour. Bonsoir. Ça va bien ? Ouais, super bien. Je suis content de vous voir. Bon, il est quelle heure à Mayotte là ? Encore Noël, avec le sapin de Noël dans le salon, c'est sympa. Joyeuses années à tous. Joyeuses années. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait la joyeuse année là. Oh, bonne année à tous. Pardon. Bon, il est quelle heure à Mayotte là ? Ouais, 21h49. Ah, ça va, exactement. Il est pas si tard. Je pensais qu'il y avait plus de décalage. On a 2 heures de décalage. D'accord. On part direct. Je te laisse te présenter un petit peu parce que tout le monde peut pas voir le formulaire que tu as rempli. D'accord. Et je vais noter sur le tableau et puis au fur et à mesure on va rebondir avec toi et essayer de répondre à tes questions. Bien que ça soit un peu spécifique. Y a pas de souci. Le climat, on doit pas être ça marche. Donc je me présente. Donc moi c'est Thomas. J'ai 31 ans. Je suis à Mayotte depuis 7 années maintenant. J'ai exercé dans l'agriculture, je suis formation agricole, j'étais jusque-là conseiller en maraîchage et puis responsable de culture sur un atelier maraîcher de lycée agricole. D'accord. Donc ça fait depuis, moi j'ai surtout étudié tout ce qui est, travaillé sur tout ce qui est protection des cultures. Là, depuis quelques années, je me rends compte de l'importance du sol. Et puis, depuis peu de temps, j'ai appris la connaissance de maraîchage sol vivant. J'ai regardé énormément de vidéos là depuis quelques mois et ça m'a passionné. J'ai trouvé ça. Mais fais attention excellent. Parce qu'il paraît que c'est un peu une drogue quand même et que ça peut avoir des impacts sur la vie familiale. Ouais, sur la vie de couple. Fais attention parce que quand tu regardes trop les vidéos. Je l'écoute même en travaillant tous les fers, tout ça. Donc, parce que la femme de Pierre-Xavier trouvait que j'étais un peu trop présent dans leur couple. C'est ça. Ouais. Non, mais c'est franchement, j'en profite pour dire que c'est du beau boulot. Hein. Donc concrètement, moi, ça fait depuis quelques années aussi que j'ai ce projet d'installation. Donc,
j'oscillais entre l'envie de revenir en métropole et de rester à Mayotte. Bon, je suis toujours bien à Mayotte, j'ai pas mal de voilà de perspectives ici intéressantes. Et donc depuis quelques mois maintenant, il y a un projet qui s'ouvre à moi, en fait une exploitation dans le centre de l'île dont le foncier en fait a été racheté par un établissement public foncier qui va lancer l'affaire en fait localement. D'accord. Donc ils ont racheté en gros 3 hectares de terrain sur lequel en fait il y a une vingtaine de serres, donc au total 6000 mètres carrés sous abri. Donc ça c'est une exploitation en fait qui a été menée en hors sol donc conventionnel depuis 1997. Donc ça fait plus de 20 depuis, ans. Depuis, excuse-moi, c'est 1997. Donc ça fait un sacré paquet de temps que ça a été mené hors sol. Donc bon, à la base, si vous voulez, la parcelle était c'était une zone agricole mais extensive. C'était une zone de l'agriculture traditionnelle avec des cocotiers, des pâturages, quelques bêtes qui broutaient par-ci par-là. Donc pas d'historique. De matraquage, on va dire, des sols. C'est dans une zone un peu forestière, si vous voulez. Donc voilà, les sols ont été couverts depuis 20 ans maintenant avec cette activité de maraîchage hors sol. Pour approfondir un peu la présentation, c'est une zone qui est située dans un bon terroir pour l'île. C'est une zone en altitude, à 190 mètres d'altitude, donc des conditions relativement fraîches ici. En gros, il faut compter des températures qui oscillent entre 20 et 30, 35 degrés toute l'année. Mais pourquoi vous avez des serres effectivement, pourquoi vous avez 6000 mètres carrés de serres? Pourquoi vous mettez des serres alors qu'il fait entre 20 et 30 degrés? Alors, ouais, en fait, si vous voulez, ici, les serres, elles sont utiles parce qu'on a une grosse saison des pluies. Ah oui. Avec des précipitations très importantes, donc qui peuvent endommager les cultures, notamment les cultures maraîchères. Également, si vous voulez, des sols aussi qui vont très rapidement se gorger en eau, d'autant plus qu'on a beaucoup de sols très argileux ici, argileux-limoneux. Donc, d'où là, on verra après l'intérêt justement d'apporter, faire des amendements de matière organique. D'accord. Donc, si vous voulez, il y a 20 serres dont une dizaine, si vous voulez, que j'aimerais faire passer. En maraîchage sol vivant, donc d'accord. AB. Si vous voulez, l'échéance d'installation, ça serait pour juin-juillet 2019. Là, je suis depuis quelques mois, je suis en plein dans les dossiers justement d'installation, notamment pour dimensionner un peu tout ça. Donc voilà, il y a un gros point sur lequel. Pour moi, c'est très très important, c'est la remise en vie de ces sols qui ont été bâchés depuis 20 ans. Si vous voulez, là, j'ai pas mal. Bâchés. Ils ont été bâchés intégralement, tu dis? Ouais, voilà, c'est bâché avec des bâches hors sol, surface de 200 microns, je pense à peu près. Donc, oui. La surface est très tassée par les passages répétés des opérateurs sous les abris. D'accord. J'ai fait une analyse de sol, donc je pourrais vous donner un peu des indicateurs sur le taux de matière organique, etc. Donc c'est pas dégueulasse à première vue. Il y a moyen d'en tirer quelque chose. L'idée, si vous voulez, c'est de faire un apport massif de BRF. On a une filière localement qui permet de s'approvisionner en BRF. Par contre, c'est coûteux et c'est du gros broyat, c'est-à-dire que c'est du broyat de tronc et de branches. Il n'y a pas de filière encore très structurée de BRF de type petite branche comme ce qui est préconisé là dans ce qu'on voit habituellement, c'est-à-dire des branchages de 7 à 10 cm, je crois bien. C'est un peu ma crainte, c'est-à-dire d'apporter des amendements à forcer sur N qui mettent du plomb à se décomposer dans le sol. Donc l'idée, si vous voulez, c'est en plus de ça, d'apporter aussi des amendements organiques type fumée d'élevage. Donc j'ai aussi possibilité localement d'être approvisionné en fumier bovin
et quin, gratuitement. Et puis également, il y a un gros gisement de fientes de poules pondeuses. Alors le tout n'est pas en agriculture biologique. Donc soit je passe par une phase de compostage pour rendre ça aux normes, ou soit je me convertis pas tout de suite. Je fais les apports qu'il faut au départ pour relancer la vie des sols sous les 6000 mètres carrés. Et ensuite, j'entame la phase de conversion. C'est quelque chose qui est en cours de réflexion. C'est ta principale problématique à laquelle tu veux qu'on réponde aujourd'hui, ou tu as quelque chose d'autre qui t'arrive? Ouais, voilà, c'est surtout cette problématique-là. C'est vraiment de savoir les quantités. Alors, j'ai réfléchi à des quantités en me basant un peu sur toutes les vidéos que j'ai pu consulter sur Vers de Terre Production, les différentes conférences, notamment de Conrad. Sur la fertilité des sols, etc. Et donc j'ai pu, on va dire, potasser un peu tout ça. Et en gros, si vous voulez, en termes d'apport, ce que je pensais faire, c'était, dans un premier temps, sur Bissère, au départ, c'était apporter donc 300 mètres cubes hectares de BRF, compléter ça avec, en gros, 60 tonnes hectares de fumier, bovin, équin. Et puis apporter 5 tonnes hectares de fientes de poules pondeuses pour apporter la dose d'azote pour notamment... Excuse-moi, redonne-moi les chiffres, s'il te plaît. Redonne-moi les chiffres que tu voulais, que tu avais envisagé. En gros, il y aurait 300 mètres cubes hectares de BRF, ouais. Donc une couche de 3 cm. Enfin, vu que c'est du broyat quand même à forcer sur elle, donc j'ai peur d'en apporter trop. Oui, notamment les 5 cm de couche que toi tu préconises pour du BRF, mais avec un site sur N plus bas. L'autre apport, ça serait du fumier bovin cheval à 60 tonnes hectares pour équilibrer notamment en azote et puis avoir un matériel à site sur N plus faible. Pour aussi apporter un peu la source de micro-organismes pour activer toute la décomposition. Ok, et tu voulais rajouter de la fiente de poule. Voilà, de la fiente de poule à 5 tonnes hectares. 5 tonnes, ouais. Tu sais à combien elle dose ta ouais, fiente? Ouais, je sais à combien elle dose. Attendez, je vais vous le dire tout de suite. Ok. La fiente de poule pondeuse, elle dose à 155 unités. Non, j'ai des bêtises, pardon. C'est autour de 50. Attendez. C'est 30-50. La poule pondeuse, c'est du 36 unités. 36, oui. Ouais. Ok. Alors. D'azote assimilable, pardon. Oui. Ouais. 300 mètres cubes, voilà. 300 mètres cubes, en gros, ça fait 3 cm. Donc t'es à 100 tonnes quoi. 100 tonnes. Donc t'as un ratio de 3. J'ai oublié de dire aussi que il y avait du compost aussi. J'ai possibilité d'avoir du compost localement là. Moi c'est en gros il faut compter 70 € la tonne livrée, qui est super cher par rapport à ce qu'on peut trouver en métropole. Mais bon, ah oui, pour un début en fait pour lancer la machine, je me dis que ça vaut le coup d'investir, de mettre un peu le tarif au départ sur tous ces amendements là. Même s'il y a une grosse partie qui sera gratuite. Alors, par où prendre le truc? Parce qu'en fait, peut-être que oui, peut-être que non. Ouais. Vas-y, Momo. Est-ce que t'as de l'eau sous les serres? T'as de l'irrigation, oui. Ouais, j'ai pas été dans le détail, hein, mais effectivement, donc toutes les serres sont irriguées. En goutte à goutte, on a des grosses réserves d'eau qui montent à 3500 mètres cubes de réserve. C'est essentiellement de l'eau qui provient de la récupération des eaux de toiture de serre. Et puis l'avantage aussi, c'est que en fait tout le système d'irrigation, il est géré par un automate. Il peut être géré par un automate, donc centralisé dans le bâtiment, dans un petit bâtiment d'exploitation sur site. Et t'as de l'aspersion en plus du goutte à goutte? C'est du goutte à goutte, mais l'idée, ça serait d'apporter justement, d'investir dans un système de pendulaire asperseur pour notamment permettre d'humecter le sol au départ pour le travail du sol, et puis de pouvoir stimuler un peu toute l'activité microbiologique, puisqu'on est sur des abris, donc
en goutte à goutte, ça risque d'être un peu coton au départ, je pense. Moi, j'ai une question. Est-ce que le but, c'est qu'en 2019, tu gagnes ta vie avec ce projet-là, ou est-ce que pour l'instant, tu as une activité annexe qui pourrait te permettre d'être sur les deux activités? Est-ce que tu as un an devant toi? Si vous voulez, en fait, ça serait une installation avec ma compagne. Mm-hmm. Donc, ma compagne, dans un premier temps, si vous voulez, elle conserverait son emploi. Enfin, elle conserverait un emploi de manière à pouvoir générer un revenu les premiers mois. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc moi, bon, j'ai pu mettre un peu d'argent de côté. Hein. L'objectif, ça serait quand même au bout de, pas les 4 premiers mois, mais au bout de 7-8 mois, on va dire, de pouvoir rentrer les premiers revenus liés, liés au mais premier cycle futur. Excuse-moi, tu m'as dit que tu voulais mettre en MSV la moitié des serres. Et ouais. L'autre moitié, tu comptes les cultiver en tradis ou tu veux en faire quoi? En fait, si vous voulez, l'autre partie des serres, l'objectif, ça serait de diversifier l'activité en mettant notamment des fruitiers greffés sur des porte greffes nains, si vous voulez. Parce qu'ici, en fait, si vous voulez, pourquoi sous serre? Ça peut paraître un peu dérisoire de viser des espaces sous abri pour des fruitiers. En fait, ici, on a des gros problèmes de mouches des fruits, d'insectes ravageurs des fruits, etc. Et donc une des possibilités, un des leviers, si vous voulez, c'est l'utilisation de filets. Donc ça serait de remplacer, si vous voulez, les bâches existantes sous une partie des tunnels là, qui restent pour faire des fruitiers greffés sur des porte-greffes nains. D'accord. Et ça, cet atelier, tu veux le lancer dès cette année? Non, ça serait dans un second temps, ça serait en premier lieu le maraîchage et dans un second temps commencer à préparer les plants. Donc on m'approvisionnait auprès de pépiniéristes localement pour lancer assez rapidement quand même la plantation parce qu'on est sur des arbres fruitiers qui vont pas donner tout de suite. Donc l'idée, ça serait qu'au bout de 3 ans, on puisse commencer à récolter nos premiers fruits, quoi. D'accord. On serait sur des agrumes en gros. T'es débouché. Est-ce que tu es sur du débouché filière longue avec des exigences de calibrage diverses ou est-ce que tu es sur la vente directe où les gens vont être un peu plus souples sur l'allure des légumes? Alors en fait, on sera sur, dans un premier temps, on sera rattaché en fait à une petite coopérative qui est présente localement et qui, ici, il n'y a pas de grosses filières longues, hein, c'est quand même beaucoup de circuits courts, mi-courts, on va dire. Donc la coopérative en question, si vous voulez, elle est beaucoup moins exigeante qu'en métropole en termes de calibrage, de qualité, etc. Donc il y a moyen d'écouler assez facilement sa production. Ça serait dans les premiers temps, notamment au début, puisque, si vous voulez, on ne pourrait pas avoir forcément le label AB la première année, étant donné l'historique de l'exploitation. Donc voilà. Ça serait passé par cette coopérative localement pour écouler la production. Ok, alors bon, je crois qu'on a déjà pas mal d'infos pour commencer à bidouiller ça. Alors écoute, moi sur les reconstructions avec intrants massifs, ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que les techniques de reconstruction avec de la matière fraîche type BRF qu'on a compensé avec différentes formes d'azote, globalement on arrive à les mettre en culture aussitôt, mais clairement c'est pas sécurisé. Okay. Je vais être un des cobayes parmi un des nombreux cobayes, mais oui, en fait tu vises le long terme dans tous les cas, donc au bout de 18 mois tu auras alors je sais pas si les vers de terre quels sont les vers de terre qui sont à Mayotte, mais tu auras un retour de la vie des sols dans le futur, donc Mais voilà, les intrants massifs, alors notamment là aujourd'hui, si tu veux, je travaille avec un technicien qui s'appelle Xavier Dubreuc. Il avait fait une vidéo rencontre en 2013. Est-ce qu'on avait refait une vidéo avec lui depuis? Non, je ne crois pas. Et donc Xavier, en fait, il fait du conseil sur des très très grosses surfaces. Donc lui, il s'occupe principalement des melons, mais il fait aussi 150 hectares de serres. Enfin, il fait du conseil sur des grosses surfaces de serres. Et depuis 5 ans, la question qu'il me posait, c'est comment je vais faire avec mes serristes où on n'a pas forcément les marges qu'on a en vente directe pour acheter des gros intrants. En fait, le principal levier qu'on a trouvé pour travailler avec ces serristes, et ça, c'est important de le comprendre, c'est que sous serre, les sols ne vont pas fondre comme en extérieur. Et donc, en fait, pourquoi nous, on cherche à reconstruire les sols biologiquement? Là, une des premières raisons, c'est que si on ne le fait pas, les sols ils vont se compacter et on va être obligé de ressortir les outils. Mais ils vont se compacter à cause de quoi? Ils vont se compacter à cause de la pluviométrie.
Et en fait, avec Xavier, depuis 3 ans, j'avais pris le pari avec lui. Je lui ai dit, écoute, on teste un truc. Tu vas arrêter de travailler tes sols sous serre. Alors, pour le coup, on est en conventionnel. Donc, les gars, ils ont encore les engrais liquides qu'ils mettent dans les gouttes à gouttes. Tu vas arrêter de travailler tes sols sous serre. Tu vas faire tes cultures absolument normalement. Enfin, un bon dernier coup de culture à taux. Tu vas faire tes cultures normalement avec du goutte à goutte et des engrais. Et tu vas remettre un engrais vert par-ci, un peu de matière organique par-là. Mais en fait, le pari qu'on a fait, c'est qu'il y avait absolument besoin de rien faire sous serre. Parce qu'en plus, on pouvait mettre des engrais. Et ça allait très bien pousser. Et en fait, au bout de 3 ans, on a gagné le pari. C'est-à-dire que sous serre, comme tu contrôles l'irrigation, tes sols ne sont jamais saturés en eau. Donc déjà, ils ne se lessivent pas. Ils ne se compactent pas. Ils ne fondent pas. En fait, tu n'as pas besoin de les reconstruire biologiquement si tu as un engrais. Voilà. C'est juste pour que tu saisisses bien cette notion qui est liée à l'eau, qui est que la fonte des sols, c'est lié à l'eau, et sous serre, tu ne l'as pas. Donc sous serre, c'est toujours plus simple. Okay, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, cette reconstruction biologique que tu veux faire sous serre, fondamentalement, pour produire, elle n'est pas nécessaire, parce que tu ne seras pas handicapé sur la fonte des sols, tu ne seras pas handicapé par le tassement de tes sols si tu ne la fais pas. Par contre, tu seras handicapé sur ton volant d'autofertilité, en gros. C'est-à-dire que tes plantes, elles pousseront peut-être pas aussi bien que... Il faudra apporter de l'engrais. Voilà, donc il faudra apporter de l'engrais. Toi, là, dans les sources de matière organique que tu me proposes, t'en as un qui s'appelle l'engrais, c'est de la fiente de poule. Donc je veux dire, tu fais un dosage, on ne peut plus classique de fiente de poule, tu mets un coup de culture à taux ou de... T'as quoi comme outil, je sais pas, un truc qui gratouille. Tu fais tes cultures, fin du débat. Ouais, et, ça peut être direct. Ouais. Voilà. Pardon. Ça peut être direct. Voilà, donc c'est une première possibilité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fonte des sols. Et je voulais bien rappeler cette notion-là. C'est que la reconstruction biologique des sols, c'est pas pour faire beau, c'est pas pour faire plaisir, c'est pour des aspects techniques bien précis, notamment la fonte des sols. Donc sous serre, c'est pas forcément nécessaire. Donc ça, c'est une première possibilité que tu aurais si tu veux faire une mise en culture rapide sans te prendre la tête. Okay. Tu mets tes fientes de poule, tu mets un coup de culture à taux, tu cultives. Et je dirais, tu n'handicapes en rien ta production future, sauf que tes sols ne sont pas reconstruits biologiquement. Donc, est-ce que c'est satisfaisant pour toi? Quel est ton objectif? Voilà, après, tu te poses ces questions-là. Quoi. Ok, j'allais dire, vu qu'il a de nombreux certes, mais le plus intéressant, ça va être de faire des tests. C'est de te dire, je garde une partie, on va dire, si t'en as une dizaine ou si t'en as un peu plus, une dizaine, t'en passes trois en disant, je fais effectivement de l'apport de fientes classique, j'en mets trois où je fais un apport de compost pour aller rapide sur ces deux-là, et puis une où tu peux faire un apport de BRF beaucoup plus intensif sur une dernière qui te servira en fait de faire des rotations, quoi, de faire du... Tiens, il y a tout... Alors, je rebondis sur ce que tu dis. Oui, vas-y. Ouais, en fait, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir un sol à la fois auto-fertile et puis aussi qui me permette de ne pas avoir à gérer trop l'enherbement. Alors, l'avantage, c'est qu'avec 20 ans de couverture du sol, je pense que la pression adventice ne sera pas énorme. Mais quand même, au fur et à mesure, je pense qu'il peut y avoir une colonisation qui peut être faite. Après, concernant l'analyse de sol, parce qu'on n'en a pas reparlé, on est sur un sol argilo-limoneux. Donc c'est un sol quand même très très collant, très qui peut se compacter. Bon, tu parlais de l'aspect irrigation sur la compaction des sols, mais c'est un sol donc qui est argilo-limoneux. On a 2,6 de matière organique. Il y a 2,6, ouais. Dans ce sol-là. Donc je suis pareil par rapport à ces différentes caractéristiques. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai pris un échantillon de sol aussi pour faire des tests en pot avec plusieurs types d'amendements organiques et planter dedans des cultures. Alors, c'est du sous-pommier que j'ai planté dedans et on va voir ce que ça donne. Mais globalement, dès qu'il est un peu humide, c'est de la colle, quoi. Ah ouais. Est-ce que tu as fait un... Excuse-moi, est-ce que tu as fait un slake test avec ton sol? Parce que si j'ai bien compris, dis-moi si j'ai bien compris, tes sols, en fait, ils n'ont jamais été vraiment travaillés, ils ont juste été bâchés. Ils ont peut-être été nivelés avant d'être bâchés, et puis après, personne n'y a jamais touché, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Et en fait, ça, c'est assez intéressant parce que, si tu veux, alors il faut aller les chercher, mais aller chercher ça sur Internet, là, j'ai pas de référence en tête. En France, il y a à Grignon des essais qui ont été faits qui s'appellent les parcelles des reins. Et donc, c'est des expériences, pour faire très schématique, des expériences de jachère nue, c'est-à-dire qu'on prend des parcelles, on empêche les plantes de pousser et on fait rien et on attend. Et tous les ans, on vient mesurer ce qui se passe.
Donc en fait, c'est des sols qui se dégradent doucement sous l'érosion, l'oxydation, la minéralisation naturelle. Et ça a été mesuré pendant, je crois, 80 ans, quelque chose comme ça. Et ce qui est très intéressant, très schématiquement, je ne sais pas si on va voir là, mais je vais le faire quand même, c'est que la matière organique, en fait, et alors là, pour le coup, c'est déjà charnu, c'est-à-dire des sols qu'on ne travaille pas. Donc c'est très intéressant parce que ça nous montre quand même la dynamique de la matière organique, laissée à elle-même, sans plante, mais sans quelqu'un qui vient travailler. Et ça, c'est quand même intéressant. Et en gros, ce qui se passe, c'est que la matière organique, elle baisse, elle s'oxyde naturellement, mais en fait, elle se stabilise à peu près au taux que toi, tu donnes. Elle se stabilise à ce stade, vers 2,5, 3, quelque chose comme ça. Il y a peut-être des parcelles qui sont un peu plus basses. Mais ce qu'on observe, en fait, alors que c'est des essais qui sont quand même très anciens, c'est que si tu ne travailles pas ton sol, ce qui probablement était le cas dans tes serres, en fait, tu ne déstructures pas réellement le complexe argilo-humique. Tu ne vas pas bouleverser les humus en permanence. Et globalement, en fait, les humus les plus stables de ton sol, ils vont encore être là. Parce que c'est vraiment le travail du sol qui les bousille, qui les remet en mouvement en fait en permanence et qui finissent par les oxyder. Quoi. Quand tu as des sols qui sont très travaillés et qu'à la fin il te reste un point, un point et demi, ou tiens des 0,8 points comme j'ai vu dans la Manche il n'y a pas longtemps avec les nématodes en prime, et ben en fait c'est le travail du sol qui a été ouvrir toutes les matières organiques récalcitrantes qui étaient coincées dans les argiles, qui étaient coincées dans le sol et qui permet de faire baisser le taux de matière organique aussi bas que ça. Mais si tu n'as pas eu de travail du sol, en fait, globalement, toute la, comment on appelle ça, la matière organique très récalcitrante de ton sol, eh ben, elle est encore là, en fait, elle n'a pas bougé, parce qu'on considère qu'elle a une durée de vie qui peut dépasser les siècles, en fait. Voilà, un humus qui a 1000 ans, ça n'a rien d'extraordinaire. D'accord. Ok, voilà, donc c'était juste pour dire qu'en fait, c'est pas parce que ça a été bâché que c'est obligatoirement dans un état abominable, en fait, parce que ça n'a pas été travaillé, donc pas de bouleversement. Ça a probablement été un peu compacté, c'est clair, mais en gros, tes 2,5% de matière récalcitrante, ils sont encore là, et donc tu n'as pas à reconstruire, en fait, vraiment, ton humus récalcitrant. Oui, il faudrait y réfléchir. Et qu'est-ce qui pousse sur ton sol, là? Si jamais il y a des parcelles, des endroits où c'est un peu nu, est-ce que ça pousse pas, c'est... Ouais, alors en fait, sur ce sol-là en question, là, qui a été bâché, je peux pas savoir, j'ai pas fait de test pour en parler dans les serres. Par contre, je suis en train d'en faire en pot, etc. J'ai récupéré de la terre pour en faire. J'ai lancé les trucs. Après, tout autour, si vous voulez, c'est de la végétation luxuriante. Ouais, il y a une zone notamment naturelle juste à côté, une zone de forêt dans laquelle tout pousse, quoi, sans problème. Il y a de la biomasse à n'en plus finir, quoi. Donc, globalement, voilà, l'environnement autour des serres, il est luxuriant, plein de biodiversité. Il n'y a peut-être pas de reconstruction à faire. Il y a peut-être, à 2,6, ça peut être intéressant de remonter un peu la MO, mais, oui. Mais c'est pas dramatique. Quoi. C'est pas, alors, faut peut-être, ouais. La première solution que je te proposais, c'était si tu veux mettre en culture rapidement, tu utilises une matière organique qui minéralise rapidement. La deuxième, si on y réfléchit, tu me dis que tu as du compost, alors c'est assez cher. L'intérêt, bon, mais à un moment donné, de toute façon, la matière organique que tu as qui te coûte le moins cher, c'est quoi? Bah en fait, ce qui coûte le moins cher, c'est les fumiers, c'est que je peux les avoir gratuitement, et même la fiente de poule, je peux l'avoir gratuitement. D'accord. Alors, une autre possibilité avec un fumier, vu que c'est pas cher, c'est tu fais un truc tout simple, c'est que tu enfouis du fumier avec une compensation azote avec de la fiente. Globalement, à mon avis, en 3-4 mois, tu peux mettre en culture. T'intègres ça avec un outil de travail du sol. Alors, tu remonteras pas à 6% de MO, mais pareil, ça va fonctionner. Et dans ton fumier, tu auras de la paille fraîche, donc ça va quand même structurer et stabiliser. Ouais. Et encore une fois, tu es sous serre, donc ça va pas fondre. Et genre, si tu fais ça comme amendement, si tu mets de la fiente plus du fumier, globalement, tu peux considérer, comme t'as pas de lessivage, tu vas avoir quand même de l'azote disponible pour un an ou deux. Tu vas pouvoir mettre en culture un an ou deux en attendant de voir venir. Ce serait peut-être intéressant. Moi, je suis plutôt partisan, donc j'ai un biais sur l'Armageddon et remettre en vie les sols. Peut-être que, comme c'est ta première année, essaie peut-être de faire une année le plus simple possible, de cultiver le plus naturellement possible, et puis observe, quoi. Pendant partie, un an, observe, essaie de comprendre comment ton sol fonctionne. En fait, ce qui m'induit aussi à ne pas faire ce choix du BRF, c'est qu'ici, avec les températures qu'on a, ça se dégrade super rapidement, quoi. C'est un truc de malade. Moi, j'ai vu le tas là, en fait, de BRF, quand je vous disais BRF, donc broyat de troncs et de branches, donc assez sereine, assez fort. Je l'ai vu ce tas là il y a 5-6 mois là, dans le centre de tri à côté de chez moi. C'était des gros broyats bien costauds.
J'y suis retourné hier parce que je voulais voir ce que ça avait donné au niveau de la décomposition, si ça s'était décomposé. Alors, la première couche, c'est resté les mêmes parce que ici, on a des UV tellement forts que de toute manière, ce qui est au-dessus, ça ne se décompose pas, je pense. Et par contre, en dessous, j'ai été creusé un peu et c'est déjà dans un stade de décomposition qui a quand même bien avancé. Quoi. Donc, mais coup, dis, contrairement à la métropole ou dans les pays tempérés, l'avantage qu'on pourrait avoir ici, c'est que ça va aller vite. De faire un apport de matière à transporter sur elle, on a quand ça même va se dégrader vite, oui. De pouvoir cultiver plus rapidement. Quoi. C'est possible. Ouais. Alors, donc, autre possibilité aussi, c'est si tu prends du compost, pareil, le compost, t'en fais un amendement, ton sol il va pas se tasser, donc de toute façon ça marchera aussi. Quoi. Tu vois, ça va être aussi une possibilité. Et dans le compost, t'as une grosse partie de la matière organique qui te reste, c'est une matière organique avec un indice de stabilité élevé, parce que c'est ce que l'activité biologique a pas mangé, mais il te reste 10-20% de la matière organique qui, elle, par contre, c'est du champignon mort, de la bactérie morte, et ça va se décomposer rapidement. Donc un amendement 100% compost, pareil, intégré, ça fera le taf. Hein. Ouais. Et après, si tu veux commencer à bricoler avec des matières organiques fraîches et tu veux remonter ton taux de matière organique élevé, donc là, tu n'as pas trop le choix, c'est le BRF, parce qu'il est dense, il va te permettre de reconstruire ton sol. Si tu veux aller vite, tu es obligé de compenser. Donc là, les tonnages que tu me donnes, c'est pas déconnant. Toi, sur la fiente, t'avais fait le même calcul? Non, moi j'étais un peu plus, mais je partais. Ouais, moi, non, mais là il met 300 mètres cubes, hein, il met pas comme toi 400. Non, c'est sûr. Non, mais là c'est les mêmes. Ouais. Dans ces cas-là, on est à peu près au même truc. C'est les mêmes chiffres. Oui, hein. T'as raison, en fait, tout à fait. Parce que si c'est 100 tonnes, moi j'étais à 15 tonnes pour le 300 tonnes. Donc, voilà, tu vois, donc c'est exactement la même chose. Exactement, donc tes calculs, ils sont justes dans les ordres de grandeur. Ça te permet de compenser. Par contre, clairement, moi aujourd'hui, sur ces intrants massifs là, je sais qu'on peut mettre en culture aussitôt. On l'a fait à Marseille. Alors, si ça vous intéresse et si ça intéresse ceux qui nous écoutent, vous pouvez aller sur une page Facebook qui s'appelle Le Talus. Et on a fait un joli Armageddon à base de broyeur à marteau, broyeur à cailloux. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est... 400 tonnes. Donc, et alors, l'intrant, c'était moitié broyat, moitié compost, enfoui au broyeur à cailloux. Et ils ont pu mettre en culture, donc ils l'ont fait au mois de juin, je sais plus, avant l'été. Ouais. Ils ont mis en culture aussitôt. Non, ils ont peut-être mis en culture en septembre, donc ils ont réussi à faire des salades, etc. Par contre, clairement, si tu mets des matières organiques fraîches, tu as une énorme activité, ça profite dans ton sol. Et même si tu manques pas d'azote, en fait, tu as des concurrences un peu bizarroïdes entre la rhizosphère des plantes et l'activité, ça profite. Donc ça va pousser. Mais faut pas s'étonner si ta plante elle a un peu une drôle de tronche par moment quand même. Qu'il y a des carences quoi. La conception de ramener du BRF, c'est de la construction sur le long terme. Donc il faudrait peut-être partir sur de l'immédiat. Tu te dis, je mets en culture rapidement. Du moyen terme sur les 6-8 mois à venir. Et puis un truc sur les 18 mois à venir. Quoi. Moi, si, effectivement, je suis d'accord. Si j'ai vraiment un conseil à te donner, c'est tu mets en culture une partie de tes serres avec un truc tout bête, la fiente et du machin, tu vas vite. Et tu prends pas de risque de mettre en culture un truc où t'es pas sûr qu'avant 18 mois ça pousse pas quoi. Par contre ça dans 18 mois ça va cracher. Puis en plus le fait de ramener du BRF, là moi je suis assez partisan du BRF, c'est que tu vas ramener du champignon et le champignon, il n'y a pas d'autre moyen de ramener du champignon que par ramener du carbone. Si tu ramènes du compost, c'est bien, mais ça ramènera pas de champignon. Si tu ramènes de la fiente, c'est bien, mais ça ramène pas de champignon. Donc vraiment ta structure du carbone, elle est essentielle sur le long terme. Mais si tu veux avoir un revenu là même avant septembre ou avant fais le plus basique, tu ramènes une dose d'azote naturelle avec ta fiente de poule et puis tu fais en parallèle pour tes petits semis plutôt sur du compost pour essayer que ce soit un peu plus facile et puis être peut-être un peu moins concurrencé par les adventices et puis ensuite dans un autre temps tu fais de la reconstruction beaucoup plus dur quoi, beaucoup plus Armageddon quoi. Et donc dans l'aspect reconstruction après c'est pareil, c'est des dosages 300 à 500 mètres cubes hectare à apporter au fur et à mesure serre par serre pour pouvoir un peu sécuriser le à tout mettre d'un seul coup ensuite mais serre par serre pour pouvoir sécuriser Moi, pourquoi j'ai fait ces préconisations au début sur des tonnages où tout le monde me disait c'est trop, c'est pas possible, c'est que le fait est que tous les essais que j'avais fait avec mon frère, ils se passaient sur une dizaine d'années. Ça, en gros, ça te fait 100 tonnes de BRF, ça va te donner 50 tonnes d'humus, ça va te donner donc 1% de MO. Ouais. Et donc ça, c'était les préconisations à la louche près que faisait Gilles Lemieux dans ses publications sur le BRF. Et le fait est que moi, quand j'ai fait ces essais-là, les sols, ils n'étaient pas stables.
Et au bout d'un an, il recommençait à se compacter. Donc on avait une activité très forte du BRF au début, ça marchait, ça stabilisait. Et puis un an, 18 mois après, on voyait que c'était pas encore assez, quoi. Et c'est là que j'ai doublé, j'ai triplé la dose. Et en gros, au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, une prairie, c'est 5% de matière organique. Pourquoi je vais m'emmerder en remettre 1%, plus 1,5%, plus 1%, je bombarde à 5. Et là, j'ai eu des sols qui font des plus. Mais j'avais donc fait ça en extérieur, ça a marché, ça m'a permis d'arrêter totalement de travailler mes sols très vite. Seulement, il m'a fallu quelques années pour comprendre que sous serre, j'allais pas avoir ce problème-là, en fait. Ok. Et donc, toi, tu l'as pas parce que tu es en extérieur, tu es en intérieur. Par contre, tu as des parcelles en extérieur dans ton... Dans ton 30 000 mètres carrés, oui. Dans tes 3 hectares. Ouais. Non, non, enfin, si vous voulez tout ce qui est maraîchage, ça se concentrerait... Sous les serres, d'accord. Ouais. Donc, en fait, comme tu es pas embêté... Après, de la diversification à moyen terme. D'accord. Comme tu es pas embêté avec ces histoires de tassement du sol... T'as toutes les possibilités que tu veux, le seul problème que t'as, c'est de réussir à obtenir de la minéralisation sur un temps très court. Donc si tu veux produire dans un mois, ouais, c'est... tu mets de la fiente, tu l'as, quoi. Et ensuite, ça c'est 1% de MO, 300 m3 de BRF. Mais tu auras des trucs bizarres, quoi. Il va se passer forcément, à ramener tout ça, il va se passer des trucs. Voilà. Quoi. Et après, comme c'est très cher, et c'est vrai que c'est très cher tes ressources, moi je te conseillerais peut-être... Tu vois, de ne pas en faire trop cette année parce que avec le temps, tu trouves des combines. Ouais, et puis l'observation, je pense que l'un des éléments qui, je pense que tous les maraîchers voient, c'est t'apprends ton sol, quoi. Voilà. Chaque année. Parce qu'en fait, là, typiquement, si tu fais, imaginons, un apport sur une serre, parce que donc sur une de tes serres, tu fais un essai avec beaucoup de BRF, une compensation en utilisant un fumier ou une fiente, là, tout de suite, on a du mal à dire si les vers de terre reviennent, à quelle vitesse, parce que chez toi ça peut peut-être aller plus vite. Donc je serais toi, j'essaierais sur une serre, et le problème que tu as, c'est que ça te coûte cher quand même. Bah, c'est ça. Là, c'est des petits chiffres quand même, quoi. On n'est pas sur des composts à 2 euros la tonne, quoi. On est sur des ratios x20, x30, tu vois, ça pique un peu. Donc il ne faut pas se louper quand même. Bon, alors et après, il y a un autre élément super important au niveau économique, hein, dont je ne vous avais pas parlé. C'est que en fait localement on a possibilité en fait d'avoir des subventions à l'investissement qui sont à des taux beaucoup plus élevés qu'en métropole. C'est-à-dire qu'en gros localement on a par UTH un c'est plafonné à 150 000 euros par UTH subventionné à 90%. Ah oui, les aides à l'installation des serres et tout ça. C'est bien la réalité. Donc pour le coup, on a quand même moyen, on a un gros levier pour investir notamment dans ces amendements. En début et notamment dans du matériel qui sera adapté. Quoi. Et tes serres, elles sont tout d'un bloc ? J'ai pas compris. Tes serres sont-elles tout d'un bloc ? Est-ce qu'elles sont l'une à côté de l'autre ou est-ce qu'entre deux serres, tu as une bande de terre à l'air libre ? Il y a une bande, de pelouse entre chaque serre. Elles font toutes 300 mètres carrés. C'est des tunnels de. Voilà, c'est des tunnels maraîchers avec de 3,40 m, il me semble, de hauteur et 9 mètres de large. D'accord, oui, c'est du tunnel classique. Ok. Donc voilà, moi, ce que je peux te proposer, c'est ça, les BRF, même compensés, on n'est pas sûr que la première année, ça pousse. Donc après, tu as le choix entre des amendements compost, fiente compost pour pouvoir démarrer très vite, produire dès cette année. Et puis après, c'est quand même à toi de faire ton petit calcul, parce que moi, je suis pas à Mayotte, je sais pas combien se vendent les légumes, hein. ni combien ça va produire. C'est à toi de faire ton petit calcul, parce que le prix de tes matières organiques, il semble peut-être un peu compliqué. Mais si tu me dis que, parce que là, avec tes 150 000 euros, tu peux acheter du compost avec ou du broyat. Ouais, c'est éligible parce que ça serait considéré comme une dépense d'investissement au départ, en fait. D'accord. Pour mettre en état les sols, c'est possible. Ok. Bon, donc après, c'est à toi de faire tes petits calculs. Mais voilà, si tu veux avoir une production rapide, je te conseille pas de faire ça parce que tu es un professionnel. Si on n'a pas le choix et qu'on n'a pas d'autre solution, on y va. Mais utiliser des BRF et mettre en culture dans la foulée, même avec une compensation, c'est quand même compliqué, quoi. Ouais. On prend des risques. Il faut à minima 6-8 mois avec la compensation, voilà, en plus. Si tu veux, si tu intègres, et puis dans le mois et demi après qui suit, tu seras en fin d'azote, rien va pousser. Hein. Bah, ça va être un peu le bordel.
Mais... même si tu compenses, le risque, ça risque de pas marcher. Mais oui, là, c'est bien parce que tu as de la surface, tu as des potentiels, fais tes petits calculs et puis laisse-toi peut-être un peu le temps parce que là, on voit que tu as des possibilités, il y a plein de potentiels, donc c'est ultra excitant comme projet. Mais laisse-toi peut-être une année de culture pour voir un peu ce que ça donne. En même temps, en parallèle, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire ton apport de BRF sur une parcelle sur laquelle tu pourras planter 3 choux pour voir si ça pousse. Et puis, tu es sûr que dans 18 mois, 2 ans, là, ça aura commencé à vraiment, surtout qu'avec les températures que tu as et puis l'hygrométrie, l'humidité que tu as, ça va aller certainement plus vite que chez nous. Et oui, et d'ailleurs, j'aimerais bien que dans un an, tu reviennes nous voir en nous expliquant ce qui s'est passé sur tes essais de BRF. Ça serait quand même intéressant. Bon, ça te va ou ça va te servir à quelque chose de ce qu'on t'a raconté? Ouais, carrément, ça me permet d'avoir une... C'est vrai que j'allais me lancer tout d'un seul coup dans un apport massif de BRF, etc. Bon, je pense que je vais y aller plutôt à tâtons. Je pense que je vais quand même mettre une ou deux serres avec le mix que j'ai prévu au départ et puis une partie de deux serres passer sur quelque chose de il sera possible de mettre en culture directement. Ouais. Bon, bah écoute, formidable. Alors, si on arrive à faire un truc. Bah écoute, merci beaucoup, bonne soirée. Et puis, bah, bonjour sur ton île. Ah, nickel, je vous remercie beaucoup et bon courage pour la suite. Attends, excuse-moi, t'as des camarades en MSV par chez toi ou t'es un peu tout seul? Non, franchement, pour l'instant, pas à ma connaissance. Après, il y a une agriculture traditionnelle qui se pratique sur l'île où il y a quand même peu de mécanisation, donc on est sur des pratiques où il y a quand même peu de retournement de sol, ça bastonne pas des masses. Donc voilà, mais vraiment des gens qui connaissent le réseau MSD, etc., il y en a 2-3, mais pas forcément d'application concrète sur le terrain. D'accord. Bon, je sais pas, parce que c'est la mode des insulaires en ce moment. Il y a quelqu'un qui est venu nous voir, là, il veut s'installer sur l'île d'Aix, c'est à côté de Fort Boyard. D'accord. Et ils veulent faire pareil, être autonome en légumes sur l'île, faire de la permaculture, du machin, du chouette. Et donc, je pense que je vais aller en vacances sur l'île d'Aix, un de ces quatre là. Bon, bah allez, super. Merci bien, Thomas. Merci. Et puis, bah, bon courage. Tu reviens vers nous quand t'as fait pousser ta première salade. Ouais, c'est ça. Ouais. On fait monter l'info. Beaucoup. Allez, et super, merci beaucoup. Salut, bonne soirée. Merci. Ciao. Bon, ben voilà. Sybil, des questions? Alors, quel type de serre conseiller? Quel type de plastique? Quel type de bâche? Est-ce que le travail sous serre augmente les risques? Ok. Momo, tu nous parles des bâches? Allez. Micro. Ça dépend ce qu'on veut faire. Oui, donc la question c'était, en gros, est-ce qu'il y a des recommandations sur les bâches à utiliser pour bâcher? Sous serre ou dehors? C'est pas spécifié. Pour la couverture du sol. Donc, premier cas de figure, on veut bâcher pour désherber. La bâche d'ensilage est celle qui désherbe le plus rapidement et le plus efficacement. Enfin, moi personnellement, je compte le temps x2 pour une bâche tissée. C'est-à-dire que pour désherber, je vais mettre une bâche ensilage 2 mois, une bâche tissée, il faudra 4 mois. Mais l'avantage de la bâche tissée, c'est qu'elle laisse passer l'eau. Et là, par exemple, cette année, il n'a pas plu jusqu'à octobre. Donc j'ai posé des bâches d'ensilage en septembre. Et ben là, j'ai dû débâcher en milieu d'hiver pour dire de recharger un peu le sol en eau. Alors que la bâche tissée, une fois que j'ai posé, je peux la laisser jusqu'au printemps. Alors, une des raisons supputées qui font que la bâche d'ensilage désherbe plus vite, c'est qu'elle chauffe fort. Ouais, et que donc la plante qui est dessous souffre énormément, en fait. Et qu'il y a moins de lumière qui passe aussi. Parce que les plantes restent vertes très longtemps sous une bâche tissée. Ouais. Je vais réexpliquer vite fait le principe qui fait qu'une bâche désherbe, parce que ça semble une absolue évidence, mais en fait, ça ne l'est pas tout à fait. Aide-moi si je ne retrouve plus le schéma. Alors c'est quelque chose qu'on appelle le point de compensation. C'est-à-dire que vous savez qu'une plante, d'un côté, elle respire, comme tout le monde respire, comme vous respirez, et d'un autre côté, elle fait de la photosynthèse. Donc en fait, suivant la quantité de lumière qui éclaire votre plante, elle va faire une certaine quantité de photosynthèse, et elle va faire une certaine quantité de respiration. Et en gros... Pour faire vraiment très schématique, on va considérer que la respiration, elle dépend surtout de la température et pas forcément de la lumière. Et que par contre, la photosynthèse, elle va dépendre de la lumière.
Donc plus on a de lumière, j'ai encore fait le schéma n'importe comment, donc non c'est pas ça. Si c'est lumière, et ça c'est en gros c'est... Ah je suis fatigué ce soir. C'est le CO2 ou l'O2. Et en gros ce qui se passe, si on considère en gros que vous avez une température constante, alors là ce qui n'est pas le cas, parce que si on a de la bâche d'ensilage, en gros on va avoir une respiration plus importante, donc on va respirer plus de sucre, on va manger plus de sucre et la plante va perdre ses sucres. Et si vous avez de la... votre plante elle fait de la photosynthèse, en gros, non, j'aurais pas dû le dessiner comme ça, c'est bien ça. On va y arriver. On va y arriver. Ça, c'est la quantité de lumière, et ça, c'est le CO2 et l'O2. Voilà. Et ben non, parce que c'est toujours pas bon ma courbe. Bon, peu importe. Si, c'est bon. C'est bon. Plus il y a de lumière, ta respiration elle est toujours pareille. Oui. Par contre, plus il y a de lumière, voilà. Plus ça monte. Voilà, parce qu'en gros, la respiration elle dépend pas de la lumière, bien qu'elle dépende de la température. Mais en gros, plus j'ai de lumière, par contre, plus ma photosynthèse elle monte. Jusqu'à ce qu'en fait il y ait un seuil de saturation. On peut pas, on appelle ça le seuil de saturation. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si votre plante, elle est éclairée correctement, elle va en gros faire deux fois plus de sucre qu'elle en respire le jour. Et la nuit, par contre, elle va arrêter de faire de la photosynthèse, elle va arrêter de faire des sucres, elle va que consommer des sucres. La plante, elle fait que respirer la nuit. Par contre, si vous mettez une bâche, bah, qu'est-ce qui se passe ? Vous coupez la production de sucre, vous coupez la photosynthèse et vous n'avez plus que de la respiration. Et donc vous consommez des sucres, vous consommez des sucres. Et en fait, ce point-là au milieu, on appelle ça le point de compensation, c'est le point où votre plante elle produit autant de sucre qu'elle en consomme. Et donc quand elle est à ce point de compensation-là, elle est en danger, parce que si d'un seul coup elle se met à faire un peu moins de photosynthèse, elle commence à vider ses réserves. Voilà. Et en fait, il faut savoir que ce truc, ça se passe tous les jours, entre le jour et la nuit. L'hiver, vous avez la même chose l'hiver. C'est-à-dire que l'hiver, globalement, beaucoup de plantes consomment des réserves. Une carotte, elle passe tout son hiver à consommer ses réserves. Et vous, ce que vous faites, c'est ça, c'est que vous ramenez la photosynthèse, vous faites baisser la photosynthèse et la plante continue de respirer. Et donc, on est en dessous du point de compensation. Et la plante, qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, elle se mange elle-même. Elle mange d'abord ses sucres, elle finit par manger les sucres complexes, elle finit par se dévorer de l'intérieur et à la fin, elle crève. Quoi. Et donc, ce qui veut dire que plus votre plante elle a de réserves, bah plus elle peut survivre longtemps à un bâchage, et c'est pour ça que les vivaces elles peuvent survivre 6 mois, 1 an. Et voilà, sur le principe. Et d'où la différence entre la bâche tissée qui laisse passer potentiellement un peu plus de lumière que la bâche d'ensilage. Donc si on considère qu'on a un petit peu de lumière quand même qui passe, et bah, on va produire un petit peu de photosynthèse. Donc l'écart entre la respiration et le point de compensation et l'écart entre la respiration et le point de compensation va être assez faible, et donc elle va mettre plus de temps à consommer ses réserves et à mourir. Quoi. Alors après, vous avez une autre manière de faire crever, c'est la solarisation. Là, vous mettez des bâches transparentes ou des trucs comme ça. Là, ça chauffe tellement fort que ça crève. Mais des fois, on est surpris parce qu'une planche, une plante, même sous une bâche transparente qui monte à 50 degrés, des fois, ça survit. Et s'il y a de l'eau, c'est costaud. Donc, bâcher pour désherber. Et le deuxième cas, c'est si on bâche pour désherber et planter dedans. Alors là, il y a différents cas de figure. Enfin, moi, je dirais que le problème de la bâche d'ensilage, c'est toujours pareil, c'est que ça laisse pas passer l'eau. Et si donc, ça chauffe. Donc, sur un temps long, on aura quand même probablement une perte de rendement parce qu'il y aura moins d'eau dessous. Et deuxième chose, c'est le problème, c'est que ça chauffe. Et donc, moi, j'ai cramé des jeunes plants comme ça. Mmh. Dont les feuilles touchaient la bâche d'ensilage et ça les a cramées. Voilà. En fait, les bâches d'ensilage, c'est très bien pour les primeurs, chez nous. C'est très bien pour les primeurs, mais passé le mois de mai, il faut passer sur de la bâche tissée, qui justement, dans lequel il y a des flux d'air, parce que ça passe par le tissage, et ça se refroidit en fait en permanence. Et l'été, la bâche tissée, c'est vraiment l'idéal, parce que ça désherbe très bien, mais ça chauffe moins. Quoi. Et après, il y a les bâches 18 microns, plus fines. Nous on a fait des essais, c'est un peu chiant à mettre en place, ça se déchire, c'est un peu cracra, et ça empêche pas vraiment un bon rumex bien costaud de pousser quoi. Ça y va. Alors, ici, vas-y, je t'en prie. Il y a une troisième bâche, ouais, la nouvelle, qui n'est pas en plastique. Celle qui vient de sortir. Celle-là justement, comme on en a parlé la dernière fois, je me suis dit bah tiens ils pensent. Alors c'est des camarades à nous qui font ça. Donc on en fait un peu la promo. Ça peut être intéressant. Ça commence par Géo et ça finit par Chanvre, pour pas dire leur nom, comme ça on est pas mal.
ça commence par géo et ça finit par chambre. Alors, c'est assez rigolo parce que, bon, comme un certain nombre de gens qui ont démarré en MSB, moi, quand j'ai démarré, ça me fendait un peu le cœur d'acheter des kilomètres carrés de bâches et des montagnes de plastoc. Et puis, bon, bah, une fois que j'ai eu mal aux mains, j'en ai eu marre et que j'ai rencontré un peu trop de maraîchers qui avaient 40 ans de carrière, qui avaient les mains déformées. Et, j'ai fait, non, un jour, j'ai rencontré une maraîchère, elle avait les deux doigts là, qui servent, et le doigt était complètement tordu. Et j'ai fait, ok, je vais acheter du plastique. Non mais sérieux, ça m'a complètement vacciné, j'ai été acheter du plastoc et j'ai fait c'est bon, j'arrête de désherber les trucs à la main, j'ai pas envie de finir comme ça, puis c'est elle qui me l'a dit, elle me l'a dit, achète du plastoc, je crois qu'elle a mis 20 ans avant de se décider à acheter du plastique, mais c'est vrai que se poser la question, comme tout outil qui est un compromis technique, est-ce que j'ai envie d'accepter de faire ce compromis là quoi. Donc on l'a accepté parce qu'on n'avait pas trop le choix, puis au final ça tue vraiment personne en fait hein, c'est... Normalement ils finissent pas trop dans les océans voilà. Mais, si on fait gaffe et que les cachalots ne les avalent pas on est pas mal et il y a 2-3 ans on s'est rendu compte qu'ils sortaient des nouvelles gammes de géotextiles on dit ouais, ouais. Ça, je pense, ouais. Biotextiles, allez utilisons le mot biotextile, c'est un peu mieux, des gammes de biotextiles qui quand même au début étaient très chères. Qui sont toujours pas très bon marché, mais qui peut-être petit à petit. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a aussi une baisse en demande. Ouais. Et donc beaucoup d'avantages. Alors, ouais, vas-y. Surtout qu'il est dégradable. Il est dégradable. Il est dégradable en fait. C'est le gros inconvénient de la bâche est tissée et plastique, c'est qu'elle est pas dégradable. Et dans les démarches dans lesquelles on s'inscrit, c'est pas forcément ce qui est le plus porteur, quoi. Donc il y a pas de dépose. Globalement ça peut finir soit par pourrir tout seul assez vite, ils ont beaucoup de modèles qui font une saison, mais après il y a des modèles 3 saisons pour faire de l'arbo. Oui, ça reste de la fibre de chanvre, donc de la fibre naturelle qui est habituée à être décomposée. C'est ça. Alors aujourd'hui ils rajoutent d'autres fibres, alors ils travaillent avec du lin, ils travaillent en fait avec tous les résidus de fibres qu'on peut trouver dans l'industrie. Donc il n'y a pas de dépose, vous mettez un géo chanvre une année, vous plantez dedans, normalement à la fin de l'année il est quand même bien pourri, bah, vous pouvez en mettre un autre par-dessus. Quoi. Fin du débat, et ça finit de pourrir tranquillou tout seul. Donc après c'est comme un paillage, hein, ça se découpe au cutter, ça se plante, rien de très compliqué. Peut-être je peux faire un petit schéma pour essayer d'expliquer. Si on imagine qu'on travaille en planche permanente, on ne peut plus classique. C'est con, on n'a pas de couleur. Ah si, on a du rouge. On met un géochanvre dessus. Donc on ne peut plus bêtement faire de la plantation de mottes. Donc comme vous le savez, la motte, il y a plusieurs manières de faire. Soit vous posez sur la bâche la motte, et là vous maintenez l'irrigation. Alors si vous faites de la pose de motte, il faut quand même que votre sol soit bien plat et que la bâche soit bien mise, parce qu'il faut que les racines arrivent à traverser assez rapidement. Vous faites de la pose de motte et vous maintenez l'irrigation pendant une semaine. Que les mottes restent bien humides, soit vous faites un trou et vous la posez juste en surface, auquel cas l'enracinement va se faire beaucoup plus rapidement quand même, soit vous faites un semi-enracinement ou une implantation complète, suivant le temps que vous avez, la fermeté du sol, vous avez un peu le choix. Ce qui est très intéressant là avec le géochanvre, c'est qu'ils ont fait les premiers essais de carottes. Sur les semis, oui. Sur les semis. Et ça, c'est quand même assez foufou. Ça pourrait être prometteur. Donc, c'est vraiment à tester. Là, il y a des idées. C'est qu'en gros, on fait un petit tendin de compost dans lequel on a mélangé les graines de tout ce que vous voulez, pré-germé si besoin, maintenu humide à l'aspersion. Et en gros, ça traverse. L'andin, il est au-dessus. Il est au-dessus du géochanvre. Et en fait, ça traverse, ça s'enracine très bien. Et un semis de carotte, un semis de navet, ça peut se faire sur du tissé 130 grammes. Ça peut être un tissé 130 grammes, le navet il va traverser. Alors il y aura quelques navets qui ne vont pas y arriver quand même, parce qu'ils ne vont pas avoir réussi à mettre leurs racines au bon endroit. Mais la carotte c'est pas possible, parce que sinon ça vous fait un collet à la carotte. Et ben en fait, à travers le géochamp, ça marche super bien. Donc itinéraire semi-direct de carotte. Moi j'aimerais être testeur là, cette année de géochamp. Bon, en fait on est en train de travailler avec eux, je ne sais pas quand on aura le temps de le faire, mais on a déjà accumulé des photos de pas mal d'itinéraires techniques. Et on voulait faire une vidéo, un de ces quatre, à faire à suivre. Et donc, c'est nouveau, ça vient de sortir. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'on va commencer à pouvoir faire des installations sur des prairies, sans plastique. Ouais. Du semis et de l'implantation de plants. Et là,
quand même. Mais surtout qu'en fait, c'est l'aspect intéressant, c'est que la puissance de la racine est suffisamment puissante pour percer le chanvre, mais le réseau foliaire des adventices et autres n'est pas suffisamment puissant pour passer à travers. Donc en fait, vous avez un 100% désherbage et vous avez la possibilité de mettre vos implants, vos plants et vos semis directement dedans. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt. Ce qui est intéressant quand on fait le calcul, je ne vais pas le faire là parce qu'on n'a pas toute la nuit, c'est qu'en fait, le géochanvre est un peu cher. Je crois que je vais peut-être dire une bêtise. Ouais, on est à 60-70 centimes du mètre carré. Ça peut paraître cher, mais on est sur du zéro désherbage, on n'a pas de dépose. Ouais. Ça permet de faire des semis de carottes, zéro désherbage. Et c'est tout et c'est nouveau. Et donc c'est nouveau. On n'est pas encore nombreux à quand le gars il aura amorti son usine. Ouais, c'est ça. Non, mais ou l'outil de production ou à des meilleures techniques de production, optimisation, etc. Et l'intéressant, c'est que c'est tissé à l'eau. Donc il n'y a aucun solvant, aucune colle, rien du tout. C'est vraiment juste des fibres entremêlées avec du feutrage, jet d'eau. Du feutrage au jet d'eau sous pression. Et donc c'est entremêlé d'une manière un peu aléatoire. Et il n'y a rien du tout. Alors par contre, ils sont en train de travailler des gammes où ils vont les colorer avec du noir. Ou des matières organiques noires, pour essayer de gagner un peu en température. Voilà. Et après, ils peuvent vous les vendre en bande de 40 cm si vous voulez, vous les prépercer, enfin après toutes les... Sinon, vous allez sur Géochanvre, voilà. Google Géochanvre. Je vous donne le numéro de Sandrine, vous pouvez le demander, la commerciale. Il y a d'autres boîtes qui font ça, je ne sais pas exactement, je n'ai pas pris le temps d'étudier le marché. Il y a des alternatives qui se mettent en place. Donc, c'est quand même intéressant dans les nouveaux plastiques. Bon. Une autre question? Le géochanvre, oui, bien sûr. Il peut parfaitement. Est-ce que le géochanvre peut être couvert de matière organique? Oui, il n'y a aucun problème. Justement, c'est ce qu'on fait avec l'Andin. Et on peut l'utiliser avec notamment les systèmes. Comment ça s'appelait la marque EasyTop là. Donc les systèmes EasyTop, c'était des bandes de papier sur lesquelles étaient collées les graines. Donc on peut très bien imaginer le chanvre, mettre l'EasyTop par-dessus et remettre le compost par-dessus. Et là, ça vous fait en plus un semis de précision. Quoi. Donc là. Quand même. Que demande le peuple? Alors là, d'avoir des beaux doigts, vous pourrez faire les manucures, tout ça. Quoi. Là, ça va être super. Non, mais c'est vraiment intéressant comme produit parce que ça nous ouvre la voie au semi 0-0 désherbage. Ça, c'est quand même le point où moi, je suis vraiment pas du tout bon sur les semis. Alors, si tout ce qui est facile, les radis, les navets et autres, ça c'est assez simple. Mes carottes qui mettent du temps à germer, les pionnières, surtout quand vous. Bon, on parlera de mon terrain après, mais les adventices qui deviennent fortes et qui deviennent invasives, elles sont toujours plus rapides et toujours plus fortes que les carottes, quoi. Ok, bon. Il y avait la question sur l'eau sous serre. Donc la question c'était, est-ce qu'il y a besoin de plus d'eau pour faire du MSD sous serre? Réponse non. Il y en a probablement besoin de moins, parce qu'il y a beaucoup moins d'évaporation, comme on travaille globalement avec les sols couverts. Donc non, il y a besoin de moins d'eau. Bon, peut-être petite anecdote, avec mon frère quand on s'est installé, on n'avait pas de forage sur la ferme. On n'avait que deux mares. Qui font respectivement 300 mètres cubes et un peu moins de 100 mètres cubes. Et on avait fait le pari au début en disant si ça doit pousser tout seul, ça doit pousser sans eau. Enfin, avec l'eau de la pluie. Le problème, c'est que les légumes, c'est des plantes d'été. J'avais pas encore compris ce petit détail au début. Les légumes, c'est des plantes d'été. Et l'été, ça pousse pas tout seul, même dans la nature. Les arbres, ils poussent moins et la prairie pousse moins. Et malgré tout, on est encore là pour en parler avec mon frère. On est toujours maraîcher parce qu'en fait, le fait d'avoir des sols vivants, malgré tout, nos légumes, ils poussaient l'été. Quoi. Moins, globalement, dès qu'on a remis de l'eau, quelques années plus tard, on s'est mis à avoir des grosses augmentations de rendement. Mais on a quand même produit, et on est encore là pour en parler. Quoi. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que c'était une connerie d'essayer à tout prix de vouloir faire des légumes sans eau l'été. On perdait énormément de rendement. Mais le fait est que si on n'en a pas, on arrive quand même à produire, on perd du rendement, mais il sort quelque chose à la fin. Quoi. Et le rapport qualité-prix, il est quand même encore là où il est, ce qui fait qu'on est encore là pour en parler. Quoi. Et par contre, je préciserai qu'en sol vivant, on a vraiment intérêt à avoir l'aspersion sous serre. Parce que comme on base notre système sur la vie du sol, et la vie du sol, elle a besoin de manger, mais elle a surtout besoin de boire. Donc se baser que sur du goutte-à-goutte en sol vivant sous serre, ça marche, mais peut-être pas très longtemps, quoi. Il est 20h40, on fait une petite pause pub promo, Dylan c'est bon, nous faut qu'on boive un coup, et on se retrouve dans 10 minutes, un quart d'heure, allez à tout de suite, et merci beaucoup pour votre attention. On est reparti. Donc bienvenue, re-bienvenue dans cette deuxième partie du troisième live de Vers de Terre Production consacré à l'installation et aux porteurs de projets. Donc dans la deuxième partie de la soirée, on va d'abord faire la lettre au Père Noël. La lettre au Père Noël. On va prendre un porteur de projet
au téléphone qui va nous expliquer son projet, on va le retravailler. Et après, bah, vous, vous présenterez vos structures, vos modèles d'installation, votre parcours. Et bah, on en rediscutera, etc. On prendra quelques questions au passage. Mais on va commencer par la lettre au Père Noël, puisque on est encore au mois de janvier. Donc la lettre au Père Noël, c'est quoi ? Et bah, c'est comment je fais pour trouver des terres, puisque c'est quand même très souvent un point bloquant, le foncier, investissement, prix, disponibilité. On entend parler de beaucoup de choses sur la difficulté de trouver des terres, et c'est vrai qu'il y a des situations où quand même, des fois ça prend des années et des années. Mais en fait, depuis 10 ans qu'on officie et qu'on aide tout le monde à trouver des terres, on a trouvé une recette qui est pas mal. Et donc, ça s'appelle la recette de la lettre au Père Noël. En gros, quelle est l'idée ? Quelle est l'idée ? C'est qu'en fait, des terres, il y en a. Il y en a parce que, globalement, le gros de l'agriculture aujourd'hui ne va pas travailler avec des parcelles d'un demi-hectare, d'un hectare. Des parcelles où il y a un peu de forêt au milieu, des parcelles où il y a des cailloux au milieu, vu que le gros de l'agriculture quand même est mécanisé. On a un morcelage aussi dû à l'urbanisme, qui des fois va enclaver des parcelles, etc. Et en fait, des terres, il y en a. Le problème, c'est comment les trouver, comment mettre la main dessus. Et donc, il y a une technique qu'on a utilisée au début, peut-être, je dirais un peu par hasard, c'était venu comme ça, et en fait, ça marche très bien. C'est d'écrire une lettre, de l'envoyer à qui il faut, et avec un peu de chance, on trouve des terres. On va avoir des retours, oui. Voilà. Donc, on va vous expliquer un peu ce qu'on écrit dans la lettre. On va commencer d'abord à qui on l'envoie. Là, tu sais. À la mairie. À la mairie. Aux multiples mairies des villages alentours, puisque mairie, collectivité. Voilà. Parce qu'il y a pas mal de terres qui leur appartiennent et dont elles ne savent que faire. Donc, l'idée, c'est que vous trouvez une zone sur votre carte parce que vous avez décidé qu'il y a une ville où il y a des gens qui vont avoir envie de manger des légumes, parce que X ou Y raison, et votre grand-mère habite à côté, elle est malade, il faut que vous en occupiez, ou parce que, je ne sais pas, vous avez acheté une maison déjà, et puis vous cherchez des terres toutes proches. Donc vous déterminez une zone géographique, je ne sais pas, 20, 30 km peut-être, et on va écrire une lettre qu'on va destiner aux mairies, aux collectivités diverses. Alors les collectivités, ça vaut peut-être le coup quand même de les décrire, parce que dans les jeunes porteurs de projets qu'on a, peut-être certains ne sont pas au fait de toutes les collectivités qui peuvent exister. Les Comcom, les communautés de communes. Les communautés de communes. Bon, on ne va pas pouvoir les passer toutes en revue non plus. Hein. Les communautés de communes. Des agglos éventuellement, si c'est des agglos, plus grandes villes. Mais évidemment. Les agglos. Après, vous avez des structures un peu moins connues du grand public, c'est typiquement, par exemple, un bassin versant. Donc les bassins versants, ça va être des syndicats, ce qu'on appelle des syndicats mixtes, qui regroupent tous les acteurs, on va dire, qui vont gérer l'eau à l'échelle d'un bassin versant. Et c'est souvent des gens qui, en fait, ont des moyens pour, comment dirais-je, aider au développement agricole, et donc qui font, comme ils ont à gérer